Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Dans cette émission, on va aborder deux sujets, l'athlétisme et la motoneige. La motoneige, ce sera en compagnie de Samantha Giron. Samantha Giron, bienvenue. Bonjour. Ce week-end a eu lieu la course à Saint-Sergue à domicile, une course qui s'est très bien passée pour toi, pilote de motoneige. Donc, c'était des très bonnes conditions pour pratiquer la motoneige, on imagine, ce week-end. Oui, alors on a eu de la chance qu'il a neigé la semaine passée donc, pour amener donc, de la bonne neige sur la piste. Et puis c'est vrai que j'ai fait troisième en général et puis première dame. Donc c'est vrai que c'était une belle course pour moi. Une belle course, un excellent résultat. On en reparlera dans la suite de l'émission. Mais on va commencer tout d'abord avec Léa Sprunger, bienvenue. Merci. Léa Sprunger qui ressort d'une semaine un peu compliquée à Birmingham. On ne présente plus Léa Sprunger, personnalité de la côte, qui a grandi à Gingin. On imagine que ces championnats du monde indoor ont été un peu compliqués à digérer avec cette élimination à Birmingham. Oui, ils ne sont encore pas du tout digérés. C'était une grosse déception. Beaucoup de frustration, beaucoup de haine, en fait, que j'ai encore en moi. Et j'espère que ça va passer rapidement pour que je puisse me concentrer pour l'été. Et la haine, on peut la comprendre, parce qu'on va le voir sur les images, c'était un seul petit pas. C'était quoi? C'était 2 cm sur la ligne. Voilà, on la voit ici, ouais, la raison de ma disqualification. Oui, c'est même pas 2 cm, c'est... À peine 1 cm, et c'est peut-être 50 cm avant d'entrer dans la ligne droite. Donc si j'avais fait ce pas 50 cm plus loin, j'aurais pas été disqualifiée parce que j'aurais été en ligne droite. Donc c'est beaucoup de circonstances qui font que c'est encore plus frustrant. Mais ce qui est le plus frustrant, c'est l'élimination qui est... à mon goût, injustifié. Effectivement, injustifié. Cette élimination, elle a eu lieu aussi parce que cette année, ils ont essayé d'utiliser la caméra un peu différemment pour vérifier si les athlètes ne marchaient pas sur la ligne. Qu'est-ce qu'on en a pensé entre athlètes de cette nouvelle manière de juger les athlètes? Ça n'a pas été vu d'un très très bon œil. Après, ceux qui en ont profité, ils sont contents. Ceux qui en ont... la mauvaise expérience, on est vraiment aigri. Parce qu'il y a eu quand même 23 athlètes éliminés, c'est juste absolument énorme. Oui, c'est énorme et puis c'est incompréhensible. C'est vrai que maintenant c'est trop tard, il n'y aura jamais de retour en arrière, mais ouais, c'était du jamais vu. Après, on sait que les Anglais sont très très stricts là-dessus. Il y a des statistiques qui sont sorties comme quoi... L'autre grand championnat où il y a eu autant d'éliminations, c'était à Birmingham en 2003. Cette utilisation de la caméra qui a été faite de manière proactive, et c'est pas comme ça qu'elle est utilisée normalement. On le comprend, alors beaucoup de frustration. Comment est-ce qu'on fait pour oublier? Là, on a eu une semaine, vous avez eu votre anniversaire entre-temps. Comment est-ce qu'on fait pour oublier ça? On attend que le temps passe et puis là, je me réjouis de pouvoir repartir aux entraînements. J'ai eu une semaine de pause, donc je me réjouis de pouvoir mettre ma frustration et ma haine sur la piste plutôt que dans le chocolat ou je ne sais où. Mais après, il me faudra du temps pour oublier et il me faudra beaucoup de bons résultats pour réussir à passer au-dessus. Je pense que je n'oublierai jamais, mais... Il faudra 2-3 bons résultats pour remonter. Alors les bons résultats, vous en avez fait déjà cette année, puisque avant d'arriver à Birmingham, vous avez établi tout simplement 2 records sur le 200 mètres et sur le 400 mètres, des records suisses. Léa Sprunger est en forme actuellement. Oui, j'aurais bien voulu le montrer sur la piste au championnat du monde. C'est ça qui est encore plus frustrant, c'est que je suis dans la forme de ma vie. J'avais une occasion en or pour décrocher une médaille. En voyant le résultat de la finale, c'était plus qu'abordable. Mais oui, je me raccroche à ça. Je me raccroche au fait que j'ai fait 2 records suisses, que je suis en forme, que j'ai gagné le World Tour et puis que je peux battre n'importe qui sur la piste. Et c'est à ça que je me raccroche. Le World Tour indoor, donc. Le World Tour outdoor, il va commencer début mai. On a déjà des objectifs sur la piste. Ça sera quoi? Ça sera du 200 mètres, du 400 mètres, du 400 mètres et la Sprunger, elle sera dans quelle discipline elle sera alignée? Le grand championnat, ce sera les championnats d'Europe. C'est ça le gros objectif de la saison. Ce sera sur 400 mètres. Donc tout sera fait pour que je sois performante dans cette discipline-là. Ça n'exclut pas le fait que je vais courir 200 et 400, mais sans objectif principal. Important.
Est-ce qu'il ne faudrait pas se focaliser uniquement sur une discipline ou... Non, c'est ça. C'est... Ma recette, c'est de réussir sur trois disciplines et puis de pouvoir être performante dans les trois. Et ça, c'est mon gros point fort et c'est ma caractéristique et je ne veux pas changer ça. Et justement, le 400 mètres, c'est la discipline qui convient le mieux à l'âge Sprunger ? Oui et non. C'est celle qui me correspond le mieux. C'est la discipline dans laquelle j'ai le plus de plaisir. Après, je pense qu'au niveau européen, 400 et 400 plats, je suis un peu au même niveau. Je peux, dans les deux disciplines, me battre pour les médailles européennes. Mais après, voilà, il y a aussi le cœur qui est très important, la passion. Et puis, c'est en 400 mètres que j'ai le plus d'intérêt. Merci là pour ces premiers mots. On va reparler de toi dans la suite de l'émission avec la course que tu organises, la Romande Energy Run. Mais on va regarder rapidement un petit reportage de volleyball. C'était le VBC La Côte qui jouait à domicile son second match de play-off, un match face au STP Berne qu'ils ont remporté et qui leur permet de rêver à la promotion en LNB. Dano, aujourd'hui c'était le match contre le STP Berne, match retour, vous avez gagné 3-2 là-bas, 3-0 ici. Ça peut paraître plus facile, mais c'était difficile quand même aujourd'hui. Oui, effectivement. Le problème à STP Berne, quand on a joué à Berne, c'était la salle. Il faisait plus froid, c'était plus dur, on n'avait pas l'habitude, c'était plus petit. Ici, on a l'habitude de jouer, c'était plus simple. Et on a été meilleur en réception, moi le premier. À Berne, j'ai eu beaucoup de peine à cause de la salle et tout. J'ai commencé à bien jouer au 5e set. Et ici, j'ai mieux joué dès le premier set, donc ça a aidé forcément. Si on revient sur la prestation de l'équipe aujourd'hui, il y a eu un match très serré, des points très longs, qu'en général la Côte a pu gagner. C'était quoi la clé aujourd'hui ? La clé, c'était surtout le mental dans le premier set, qui était très long et très serré. Surtout que vous étiez mené pendant une bonne partie de 6-7 points, puis vous avez quand même su remonter. Ouais, il y a eu plusieurs de balles de set pour l'adversaire, et on a su garder le mental, on a su pousser à fond jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous a fait, je pense, gagner mentalement le match. On prend le dessus sur le premier set, en fin de set, vraiment en fin de set, parce qu'on est mené 12-18, un truc du style. Et au final, on arrive à revenir avec une bonne série de services, avec en calmant le jeu en réception, à venir et à gagner 7. Et en fait, on leur passe devant pour 2 points et on l'emporte. Je pense que ça les met dans le dur déjà d'entrée de jeu. Le premier set, nous a demandé beaucoup d'énergie pour revenir et puis le gagner. Et au deuxième set, on recommence en étant nouveau dans le dur. On a un nouveau 4-5 points de retard, mais je crois que c'est notre grande force cette saison. C'est que même si on a du retard, on sait qu'on est capable de gagner ces sets. Et puis on a vu un match très serré malgré le score final 3-0 avec des sets très accrochés. Oui. Alors ils n'ont pas fini premier cette saison pour rien. Ils ont fini avec, sauf erreur, 10 ou 12 points d'avance sur le deuxième. Et donc on s'attendait à un match très dur. Pour avoir discuté un petit peu avec les gars, puis revu les joueurs, c'était la moitié de l'équipe, c'est d'anciens joueurs de Ligue B et Liga. Donc c'est quand même des gars qui techniquement tiennent la route. Et je pense là, on les a eu au mental. On sait qu'en jouant calmement, on s'en sort. Et on essaie de donner du calme quand on est en difficulté. Avec Eugène, on a quand même un passeur qui est très fort. Et puis même quand il est vraiment à la ramasse au niveau du jeu arrière, il arrive à nous mettre des balles top. Donc après le jeu, on devient presque facile. Alors justement, vous aussi, vous avez quelques joueurs qui ont le niveau de LNB, voire LNA. Oui, alors on a récupéré Christophe cette année, un central allemand qui a joué en deuxième division en Allemagne. Eugène, le passeur qui a joué plusieurs années en France, en deuxième division, et puis qui cette année est revenu jouer avec nous. Moi, j'ai quelques saisons de première ligue, Ligue B derrière moi. Donc on a une bonne ossature et puis les jeunes sont arrivés à maturité. Il y a une finale maintenant. Est-ce qu'on sait déjà un peu comment ça va se passer? Contre qui? Oui, on va jouer contre Fuy, qui était dans notre groupe de première ligue. On va voir comment ça va se passer. Ils ont été premiers, ils nous ont battus 2 fois. Non, à nous de faire le jeu, à nous de les battre. Et au pire, il y a toujours de quoi s'attraper.
Et le match face à Puy, ce sera le samedi 24 mars dans la même salle, la salle des Tuileries à Gland. Maintenant, on va parler motoneige avec vous, Samantha Gieron. Donc la course avait lieu ce samedi, c'était sur votre montagne, c'était à Saint-Cergue, c'était à domicile. Est-ce qu'il y a une pression particulière quand on court à domicile ? Oui, donc il y a une pression particulière parce que y a déjà plus de monde qui me connaissent, donc ils sont venus me voir. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais donc, comment va être la course, mais c'est vrai que là, jouer à domicile, c'est toujours plus compliqué. Est-ce qu'on connaît la piste quand on est à domicile ? Oui, alors justement, on doit un peu la tester. Donc là, on a pu la tester donc, le vendredi d'avant un petit peu. Mais après, y a surtout donc, à préparer la piste pour les coureurs, à tout préparer. Donc ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour tester. En plus, j'étais pas bien équipée, donc je n'ai pas mis mes genouillères, j'ai plein de plastron, donc j'ai fait 3-4 tours de piste, mais je n'ai pas voulu forcer dessus. Alors au niveau de l'organisation, justement, vous vous occupez en partie de l'organisation avec votre papa qui est responsable de l'organisation. Exact, alors donc, mon père est président de l'organisation, donc c'est lui qui fait tout. Après, donc, moi, je vais plus rechercher des sponsors pour notre livret de fête et puis mettre tout en place le jour avant la piste, la course. Et puis justement, cette piste, elle est préparée par vous et les conditions étaient très bonnes, très favorables cette année vu qu'il y avait beaucoup de neige. Alors, on a eu beaucoup de chance parce que avant la neige, la piste était vraiment très dure. Donc, ça s'annonçait un peu dur jusqu'à la première manche. Et il a neigé en fait le jeudi et le vendredi, ce qui a permis d'en mettre de la neige. Et puis, c'est vrai que grâce à ça, on a pu vraiment avoir une piste avec des super conditions. Alors, vous m'avez dit presque un petit peu trop de neige, mais c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. On voit les images ici. Là, c'est le tour d'échauffement. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Hein. Ça va lentement, mais c'est normal. Ça va lentement, c'est normal. Donc, c'est le tour d'échauffement. Donc, là, c'est ma concurrente, Shana Lehmann, qui a filmé. Et c'est vrai que là, en fait, ça nous permet de découvrir la piste. Donc, de voir où sont les trous, où sont les bosses, la meilleure trajectoire à prendre, en fait, lors d'une course. Et la course se fait en trois manches. Il y a toujours un petit tour d'échauffement au début. Et ensuite, ces trois manches, c'est quoi ? C'est au temps que seront qualifiés les athlètes ? Exact. Donc, ça se passe comme ça. On a d'abord les essais libres, où là, donc, on va donc, découvrir la piste. On a par la suite donc, les qualifications. Et après, donc, en fait, les qualifications, c'est là où le départ va se mettre. C'est-à-dire que le premier des qualifications va donc, pouvoir choisir sa place sur la grille, après le deuxième, le troisième. Mais c'est des places qui sont toutes sur la même hauteur, on va le voir tout de suite. Oui. Donc au final, ça ne change pas trop d'être premier ou huitième aux qualifications. C'est vrai que ça dépend tout, c'est qu'on va se mettre par rapport en fait, au premier virage, au premier obstacle de la course. Et c'est vrai qu'après, c'est sûrement au feeling de la machine qu'on va prendre donc, le haut shot, donc le départ en premier. Le départ dans une course de motoneige, c'est souvent un des éléments déterminants, vu que on peut perdre beaucoup de temps là-dessus. Hein. Exact. Y a la chute, comme là, donc en première manche. Donc, y a ma concurrente qui a chuté. Donc, elle a vite perdu un tour. Et c'est vrai que sinon, sur suivant quelle piste, dans cette piste-là, c'était pas très simple à dépasser. Donc, c'est vrai qu'il fallait bien réussir son départ. Quand on chute dans une manche, comment est-ce que ça se passe au niveau du classement sur l'ensemble de la journée ? Est-ce qu'on doit se remettre sur la moto et y aller ? Ou bien est-ce qu'il nous enlève des secondes ? Ça dépend tout de la chute. Mais moi, je suis tombée donc, en Autriche, donc, une course qui s'est passée donc, milieu février. Là, donc, j'ai pu me relever, reprendre la machine et dépasser donc, deux concurrents. Donc c'est vrai que pour moi, là, ça, tout était bien. Mais c'est vrai qu'après, si la machine a subi des dégâts ou même si nous, donc, on n'est pas capable de reprendre la machine, là, c'est des points qui s'en vont. Alors justement, les dégâts physiques, ça peut arriver sur la motoneige, on l'imagine. Mm-hmm. Mais à Saint-Cergue, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé pour les motoneiges, oui. Il n'y a pas eu trop de casse. Ouais, c'est magnifique. Ensuite, la suite de la saison, comment elle se profile ? Il y a encore deux courses. Si tout va bien, elle devrait avoir lieu. Les conditions, a priori, normalement sont bonnes. Où est-ce qu'elles se passent, ces courses ? Alors, donc, il y a une course qui se passe le 24 et le 25 mars. Donc ça, ce serait au niveau de l'Italie, donc à Livigno, où là, donc, c'est le championnat Europe centrale qui sera disputé. C'est la finale, donc là, tout va se jouer là. Donc pour le moment, je suis troisième. Donc j'espère donc, garder ma troisième place. Et donc après, donc le championnat suisse, donc là, la dernière épreuve donc, sera le 7 avril, à Melchefo, donc c'est au-dessus de Lucerne. Et là, donc, on va pour avoir donc, les classements. Alors là, on voit juste le départ. Hein. Tu arrives, enfin, ta concurrente arrive, je ne sais pas, en sixième position sur la ligne. Presque tout le monde est déjà prêt. Et là, elle te check et les autres concurrentes arrivent au départ.
Et ensuite va arriver le départ, voilà, justement maintenant. Et là, c'est là que voilà, on voit les motoneiges qui partent à des allures très différentes parce qu'il faut mettre les gaz comme il faut, en fait. C'est ça, il faut mettre vraiment les gaz au bon moment. Et là, j'ai pas réussi à tirer parti de ce départ-là. Effectivement, ouais. On voit les motoneiges qui sont très proches. Hein. Il y a des petites touchettes, on imagine, oui. De temps en temps. C'est toléré, ça? Oui. Alors voilà, il n'y a pas de règle par rapport à ça, parce que bah, vous imaginez 8 machines qui se resserrent après sur une ou deux traces de motoneige. Donc il y a des petites touchettes après. Voilà, on ne va pas se foncer dedans, exprès dedans, mais c'est vrai qu'on veut tirer parti du meilleur de la piste. Alors on ne s'en rend pas bien compte sur ces images, mais ces pistes, est-ce qu'elles sont balisées? Est-ce qu'il y a une largeur? On peut un peu aller où on veut? Alors donc, la largeur qu'on aime bien avoir, c'est vraiment deux traceurs à track. Donc ça fait environ 8 mètres. Après, donc là, on ne les a pas partout. Mais c'est vrai qu'il faut en tout cas un ratrack et demi pour pouvoir être à l'aise. Après, elles sont balisées, mais c'est vrai que là, avec la neige qui est sur la piste, on ne voit pas trop, mais on a mis donc du bleu de Mathilène sur les deux côtés de la piste pour pouvoir la baliser. C'est ce qu'il y a à ski aussi, ça, le bleu, oui, de Mathilène. Exact. Très bien. Pour finir, le classement européen, tu nous as dit, tu es troisième au niveau mondial, au niveau suisse, pardon, tu es quatrième. Oui. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors on explique, donc c'est par rapport en fait aux pilotes qui courent, c'est-à-dire qu'en Suisse, il y a un pilote qui ne fait pas le championnat européen, et c'est pour ça en fait que pour le moment je suis troisième. On te souhaite une très bonne suite et fin de saison. Merci. La saison à l'Hachpunger, elle, ne fait que commencer. Est-ce que tu regardes un peu ces résultats? Donc oui, je regarde un petit peu les résultats. Bah, j'ai entendu pour le petit problème d'avant, mais c'est vrai que je souhaite plein de bonheur pour cette saison. Un petit problème qu'elle essaye d'oublier avec justement cette romande Energy Run, la course que tu organises, dont tu es l'organisatrice principale. On se réjouit de cette cinquième édition de la course. Oui, ben je me réjouis beaucoup. C'est un anniversaire, donc c'est important. Je suis contente d'avoir pu arriver déjà à 5 éditions. C'est un joli challenge. Mais la course prend bien et puis on est en train gentiment de faire notre place. Et je me réjouis de cette 5e édition. Ouais. Alors une 5e édition qui annonce quelques petites nouveautés, notamment quelque chose qui s'appelle Run and Bike. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, alors le run and bike vient remplacer en fait la course de relais qui avait un peu de peine à prendre et qui logistiquement nous demandait trop d'investissement. Donc on voulait garder cet esprit ludique et d'équipe. Et quand j'étais jeune, mon club organisait un run and bike et ça a été une discipline qui m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas la réorganiser? Et en fait, c'est deux personnes sur la distance du semi-marathon qui se relaient entre le vélo et la course à pied. Donc c'est vraiment chacun son rythme. Quelqu'un peut être tout le temps sur le vélo et puis l'autre personne court. Il y a juste besoin de changer une seule fois, c'est ça la règle. Et puis rester à côté, et c'est un peu ça l'idée en fait. Ça reste ludique. Et au niveau des inscriptions, ça a l'air de marcher. Il y a déjà du monde qui s'inscrit pour cette nouvelle discipline? Oui, bon alors là, on a ouvert les inscriptions au 1er mars, on est encore très tôt par rapport au 9 septembre. On a eu notre première équipe d'inscrites, ça c'est chouette, mais c'est plus voilà, l'écho sur les réseaux sociaux quand on a annoncé la nouvelle discipline qui était super encourageante. Voilà, beaucoup de gens qui se sont manifestés, qui ont trouvé l'idée vraiment chouette, et j'espère que ça se concrétisera dans les inscriptions. Effectivement, c'est quelque chose de très différent. Vous avez dit dans une récente interview qu'il y avait beaucoup de monde qui organisait des semi-marathons, des courses, et il fallait se démarquer. C'était une manière de se démarquer, finalement. Oui, c'est aussi ça qu'on a pensé en introduisant cette discipline. C'est vrai que c'est... Voilà, la course à pied, il y en a tous les week-ends. Et puis là, c'était l'occasion de présenter quelque chose d'un peu différent. Il n'y en a pas tant que ça de ces run and bike en Suisse romande encore moins. Donc, ouais, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut juste nous rappeler le parcours de cette romande Energy Run? Oui, alors c'est un semi-marathon, c'est la discipline reine hein, qui part du centre Outlet Auburn, qui va sur la route du lac jusqu'à Collevray à Nyon, où c'est le site d'arrivée, le lieu de fête. Et puis le 10 km et le Nordic Walking qui se partent. Bah justement sur un 10 km, qui part de Gland, depuis la route du lac. Il y a une boucle dans Gland, et puis ensuite, c'est plus ou moins le même tracé que le semi-marathon. Et toutes les arrivées se font à Nyon. Et à Nyon, on a encore la course des enfants l'après-midi.
Donc une belle journée qui s'annonce le dimanche 9 septembre. On va finir avec une autre journée, c'est le Mérite sportif nyonnais qui aura lieu ce jeudi 15 mars. Et cette année, Léa Sprunger sera de la partie, elle pourra aller chercher peut-être son prix pour le Mérite sportif nyonnais. Oui, bah, on verra qui c'est qui gagne, mais c'est vrai que je suis contente de pouvoir y participer. J'avais loupé la soirée personnalité de la côte. Là, je vais pouvoir être présente au Mérite sportif lyonnais. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est ma région. Et puis, ça me permet aussi de revoir un peu les gens du milieu du sport de la région. Ce serait étrange que la personnalité de la côte, qui bat même un prix Nobel, ne soit pas nominée au Mérite sportif nyonnais. Mais bon, on ne sait jamais. On sera au Mérite sportif nyonnais. Et donc, Léa Sprunger aussi. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à Samantha aussi. Merci. C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive. Merci beaucoup. Ciao.